Hey, salut! Ben oui, il n'y a pas eu courrier du jour hier parce que c'était ma fête. J'ai d'ailleurs eu ça pour ma fête. Grand remerciement à mon frère. Félicitations aux Cubs, by the way. Après 108 ans, il était temps. J'ai eu ça aussi comme cadeau. Je sais juste pas, je dois-tu péter la palette ou quoi. Fait que, on va se faire un courrier du jour. Yeah! Le courrier du jour, le courrier du jour. Ça, c'est l'affaire plate avec le gars plate qui vous partage ses affaires plates. Hey! Donc, courrier du jour. Là, évidemment, j'ai sorti mes trucs de Bill Barocco. Tu sais, Bill Barocco disappeared that summer. He was on a fishing ship, là. Ta caméra est dans l'orange. Déjà? Ouais. Bon, on va faire ça vite. Merci, Télésino. Alors, sans perdre plus de temps, une enveloppe pas scellée, il est pas scellé du démon. Donc, mais ben du tape. Ok, regarde, je vous épargne la surprise parce que hein, je suis plate de même. Je vous donne le punch, je vous vends le punch. Pas d'alcool. Parlant de punch, pas d'alcool, il y a ma fille qui a sa première fête d'amis ce soir où elle va découcher. De quoi ma première? Ben, c'est ta première fête d'amis où est-ce que tu découches? Alors, on parle. Est-ce que je découche? Mais tu fais pas de dodo au sud! Ah! Ok, donc c'est le Hockey News. Je sais pas si tu arrives à voir ici. Donc, Hockey News, April 28th, 1951. Donc, le but gagnant de Bill Barocco, c'est la page du but gagnant de Bill Barocco. Tu vois, on le voit ici aussi derrière. Ils l'ont pas montré. Donc, c'est vraiment. Écoute. Wow, pis ça sent pas le moisi, ça c'est cool. Fait que vraiment content de mon acquisition. Fait que je vais faire un beau petit cadre avec tout ce que j'ai de Bill Barocco. Donc, si jamais vous avez des pièces de la Carling, non, c'est pas vrai, je veux pas toucher à ça. Alors, ben, c'était le courrier du jour. Je veux juste, jusqu'à temps que la batterie se termine, prendre le temps qui reste. Attends, j'essaie de cadrer pour qu'on voie ça. Ok, donc je tiens à remercier ceux qui. Regarde, j'avais pas vu cet angle-là, par contre, du but. Je pensais que c'était d'autres choses. On le voit. Fait que je tiens à remercier tous ceux qui ont pris un petit 2 minutes de leur vie pour m'écrire, pour m'appeler. Donc, pour me faire. C'est ça, dire prendre le temps de jaser avec moi pour mon anniversaire. J'ai eu 40 ans. Le corps s'en sent, pas l'esprit. J'ai encore le cœur de 25 ans. Mais avec la casquette. Mais avec plus de maturité. On a-tu bien vu qu'il était marqué papa dessus? Hein? C'est mes filles qui me l'ont donné. Donc, voilà. Ça fait bizarre de te voir avec du blanc de même. Du blanc de même? Ouais, il va falloir que tu la salisses. Il va falloir que je m'achète un sou blanc, c'est ça veut dire. Hein? Fait que, dès l'an prochain. La la la! La la la! Ça, c'est des classes. C'est 50 ans avant mon temps. Alors, voilà. Donc, après, vous aurez pété les tympans de même, surtout si vous écoutiez ça dans un tapis. Ben, et avec des écouteurs. Oui, bien, il doit en avoir qui m'écoute avec des écouteurs. Pauvre. Donc, salutations ceux à qui je viens de péter les tympans. Envoyez-moi pas vos factures de. Vos factures de. Oh, comment ça s'appelle? C'est les docteurs d'une oreille. Fait que, voilà. Donc, merci. Souhaitons que le Canadien se reprenne contre les Flyers ce soir parce qu'une dégelée de 10-0, on voit pas ça c'est souvent. Pas bon, hein? Écoute, la dernière fois, c'était en mai, c'est 10-0? 42, ça veut dire 60 plus 15. Ça faisait 75 ans qu'on s'était pas fait rosser de même. 10-0? Ouais, 10-0. My God, c'est nul, on tu sais, est nul. Tu sais, quand t'étais couché, c'était 3-0? Ouais. Ouais. C'est ça. Ça a juste continué. Puis en troisième période, ils ont comme pris un break. Mais je pense que les joueurs du Canadien ont pris un break en première période. Alors voilà, donc, non, toi qui aimes ça manger du papier, je veux pas que tu mettes tes dents là-dedans. Fait que, salut, merci, puis ben au plaisir d'un prochain courrier de jour. Fait que, juste pour dire que je suis bien content de ma page du Hockey News. Le Hockey News, moi qui est un habitué du Hockey News depuis maintenant au-dessus de 20 ans, donc... avoir cette copie, cette page, j'aurais aimé avoir l'entièreté du document, mais juste cette page-là, c'est merveilleux. Je suis tout ému, fait que je vais aller faire de la lecture de toilette. Bye.